Une recoiffage. Ah non, mais t'es en train de filmer là? Ouais. Non, tu mets pas ça sur ton vlog, parce que chaque fois je me tapais des vieux accents. J'avoue. Après, avant toi, j'allais dire non, tu mets pas ça. Ah non, tu mets pas ça. Ça va recommencer, mais tu ne mets pas ça, s'il te plaît. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh viens, on fait de l'intro à deux, tu sais, comme les gros youtubeurs là. Non mais toi tu crois que je suis qui moi? Tu sais, ceux qui connaissent les intros des autres et tout et qui font des... Oh là là, mais je suis particulièrement dégueulasse là. On est deux. Non mais filme pas de si près. Ah mais je peux pas, j'ai pas le bras plus long. Bah tu le mets là. 1, 2, 3. Hello tout... Allez, 1, 2, 3. Hello tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog dans le Schnorr, puisque je suis remontée pour les vacances de Noël. Ça va pas tenir. Bon, ici ça va tenir. Je suis remontée pour les vacances de Noël du coup dans le Nord pour voir ma famille et mes amis. First step, Anaïs House et Anaïs Horse, puisque ça va. Comment ta voiture elle est en un morceau? Boire ou vloguer, il faut choisir. D'accord, là on parle pas du tout de boire. Non, 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 vloguer ou conduire, il faut choisir. Ce matin, je me suis levée assez tôt. Je suis partie de chez moi, je suis passée, j'ai pris un premier train jusqu'à Paris, j'ai changé à Paris. Je suis arrivée à Lille il y a 30 minutes. Mademoiselle Anaïs est venue me chercher, je suis allée me changer chez elle. Du coup, on va voir Margot, elle a un poulain qui s'appelle Jeep, que j'ai pas encore rencontré du coup, donc j'ai hâte de le voir parce qu'il a l'air trop chou, il a l'air trop trop cute. Trop croûte. Ah, ce jument, ouais, d'accord. Ce poulain, elle a vraiment trop croûte. Donc, on est parti là pour l'écurie, sauf qu'il fait déjà noir, oui, puisqu'il est 17h17. Et ensuite, on va à l'écurie de Mademoiselle Anaïs. Voir une jument que vous avez jamais vue, Grand Prix 150, c'est fou. Voir sa jument de 150 que je vais monter. Du coup. Ah, là, je crois que c'est vrai, après, quand ils vont voir la délai du bazar, ils vont faire oula. Ça sort en 150, ça? Bah, ça sort pas en 150, mais ça a déjà sauté 145, merci. Qui a gagné la puissance. Donc voilà, c'est très drôle de faire de la voiture avec cette énergumène. Puisque tout à l'heure en ville, c'était assez intéressant. Je vous mets des petits morceaux. Non. Non, merci. Mais vous faites. Putain. C'est vraiment là, vraiment là, les jaillons. Et tu vas laisser passer toutes les. Oh. Je sais même plus parler tellement ça me tue. Allez, on y va, vous laissez passer personne, vous avancez toujours tout droit, on y va. Donc voilà, ensuite je vais monter sa jument, du coup, et Anaïs va certainement lui dire de soutenir sa main. Voilà. Comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Puisque, je sais pas si vous avez vu les vlogs, mais... Je sais pas si vous avez vu les vidéos que j'avais fait cet été, mais elle était venue chez moi à Montpellier et elle m'avait fait monter. Tati Dressage m'avait corrigé ma main, c'était sa mission. Du coup là, il va falloir vérifier si j'ai retenu les leçons de Sensei Anaïs. J'espère. Soutiens ta main. Reste pas crispé sur ta reine intérieure. Voilà, tout de suite, soutiens ta main. Attention à ta main intérieure qui se balade. Hello. Coucou Jeep. Bon, je suis désolée, vous allez avoir des images au flash toutes moches, mais... Alors, Margot, bonjour Margot. Voici son petit poulain. Les petits bébés Jeep. Il est tellement chou. Ce que je disais il y a deux secondes, c'est que c'est trop bien les poulains manipulés. Parce que tu peux leur faire des câlins et tout. Ah ouais. Ah, lui, je peux rester 10 minutes. Je prends... Il a un tout petit nez. Je dois se tourner, c'est tout doux. Hein, petit nez à bisous. Ah oui. Non, bibou. Non, papa. Ah, c'est une sangsue, hein, ça. Ah, j'adore son trot. On dirait pas un petit arabe comme ça. C'est toujours avec sa queue en l'air, là. Ouais. Lauren, la dresseuse de pooling. Allez, on va voir si la dresseuse est à la hauteur. C'est un fail. En revenant par ici, tu arriveras plus facilement. Il a peur là-bas, donc il va pas y aller au trot. Waouh, ouais, belle dresseuse. Oh. Bien ça.
Lorraine, 2 ans. C'est pas sa face normalement le reculé, j'ai pas encore fait sur le côté. Ouais. Bon bah nous on va y aller, on va la laisser là, elle a l'air de bien s'amuser. Adieu. Bah du coup tu dors ici ce soir, tu dors pas chez moi? Je dors avec qui? Ah vas-y. Tu fais voler mon poulain. Ouais. Putain, Lorraine vraiment l'a vraiment perdu je crois. Bah oui c'est un bébé. Au revoir. A plus hein. Ciao. J'avoue, c'est toi qui les rends accro à la lèche. Il est pas ça comme ça d'habitude? Si, un petit peu. Et voilà, moi je leur apprends un truc dans la vie, c'est les bisous. Est-ce que vous avez déjà vu un poulain comme ça? Tu fais tout déjà avec le truc. Ah oui, il est incroyable. Genre, il te suit la longe, il résiste pas. Regarde, il fait tout. Vas-y, avance. Arrête-toi. Recule. Oh, tu peux le toucher partout. Là, tu touches les oreilles. Pourtant, il y a horreur les oreilles. Moi, mon cheval, je l'ai eu, il avait 6 ans. Il pouvait toucher les oreilles. Je sais pas si tu te souviens, la galère. Le truc là, il a 8 mois demain. Et il donne tous les pieds comme il faut. Il donne les pieds là? Ah ouais, intérieur, postérieur, c'est nickel. Où il donne un pied? Oh là là, il est incroyable. Chnaise. C'est bien. Chercher Redou. La mission. T'as vu ou pas? Non. Man versus Wild. Comment aller chercher son cheval? On voit pas que mes oreilles. Alors, en fait, elle est dans un box stabulation comme ça, tout en long, qui s'ouvre sur un paddock, que vous ne voyez pas parce qu'il fait noir. Voilà, mise frontale. Vas-y, avant, je vais fermer. Red, elle a une tête, c'est... La longueur, c'est la longueur du dos de mon cheval. Tu me vois quand elle est dégueulasse, là. Bon alors, Anaïs me prépare sa jument pendant que moi, je règle des trucs. Avec son nouveau tapis. Regardez, et c'est moi qui l'inaugure. Tapis. Nouveau Licole Kentucky. Viens montrer ton Licole, là. Cette fille a trop d'argent, apparemment. Pas du tout. Des bonnes affaires en solde. Et donc le tapis, elle l'a acheté juste pour moi pour l'occasion. Il est tout neuf le truc, je vais. C'est moi qui vais l'inaugurer ton tapis. Parce que je voulais l'avoir avec, mais ça lui va trop bien. Ouais, ça lui va bien. À tout moment, tu vas penser que c'est une autre. Bah ouais. Hein. Je serais morte, elle met un coup de cul ou elle part d'un coup. Non, c'est vrai que les gens me font motiver quand tu montes à une main, elle garde son attitude. Bah ouais, elle est bien dessinée. Ah ouais, bah ouais, si tu gardes ta jambe, tout, pas de raison. Là, il est 21h. Ouais.
On vient de partir de l'écurie, on a mis de l'essence, on rentre. On est parti de l'écurie il y a 5 minutes. J'ai faim, on mange quoi? Lorraine, 23 ans, youtubeur sur la plateforme. Et on a filmé une vidéo. La vidéo sortira certainement la semaine prochaine par rapport à cette vidéo-là. Vos préjugés sur Lorraine et Blanc. Voilà, c'est ça, c'est vos préjugés sur moi. C'était très drôle, sauf qu'on a filmé une heure de vidéo. Et du coup, je vais avoir des heures de montage. Je suis fatiguée d'avance. Mais c'était drôle. Du coup, je vais terminer ce vlog-là. Je vous mets juste des sneak peeks du reste de la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et liker, c'est pas ça que tu veux. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.